Je crois que je vais être en ligne maintenant. Alors, pourquoi j'entends encore de la musique derrière? Bonjour, bonjour, je crois que je suis en ligne. D'accord, ok, bah, j'avais laissé toutes mes sessions Facebook et YouTube allumées, c'est sans doute pour ça que je n'arrivais pas à me connecter. Donc bonjour, je suis Ruffin Mbou-Mikima, je suis réalisateur et producteur de films. Je suis originaire du Congo-Brazzaville et je vis en France depuis une quinzaine d'années. Donc je voudrais dire un grand merci déjà aux organisateurs du Tropics Business Summit qui me donne cette opportunité d'être avec vous ce matin, de faire intrusion dans vos bureaux, dans vos salons ou dans vos appareils tout simplement. Donc je fais partie des newcomers de cette année et donc je dis encore merci voilà, aux organisateurs et à toutes ces personnes magiques derrière les écrans qui nous permettent de communiquer avec vous ce matin. Donc moi j'ai choisi de partager une réflexion sur les cinémas d'Afrique francophone, en tout cas sur ce que je considère moi comme le challenge à accomplir désormais. Je ne suis pas peut-être le premier à poser cette réflexion, je pense que ça a déjà été posé par des aînés avant nous, mais si aujourd'hui, plus de 70 ans après les premières images des cinémas d'Afrique, cette question se pose encore, c'est qu'il y a peut-être urgence, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été réglées et qu'il faut penser à les régler aujourd'hui. Je vais parler de l'Afrique subsaharienne francophone parce que c'est la zone géographique que je maîtrise le mieux. Je sais qu'il y a des disparités selon certains pays et même en Afrique anglophone, en Afrique lusophone, il y a peut-être d'autres réalités qui ne sont pas forcément celles que nous connaissons nous dans nos pays d'Afrique francophone. Donc, de quoi les questions? La thématique que j'ai choisie, c'est les cinémas d'Afrique francophone subsaharienne, de la culture, du business de la culture à la culture du business. On sait tous qu'aujourd'hui, l'art africain en général, qu'il s'agisse de la peinture, de la littérature, de la musique ou du théâtre, l'art africain est très prisé en Europe, en Occident en tout cas. Chaque fois qu'il y a des représentations de théâtre ou il y a des salons de livres ou même dans des festivals, on voit des longues queues aller justement prendre leur ticket pour essayer de découvrir ces films qui sont rares, des films qu'on ne voit qui sont produits en très, très faible quantité et qui sont rares, qui racontent des histoires qui sont toutes particulières, des histoires qui sont riches de leur décor, de leur magie, de leur personnage. Et donc, les gens courent pour aller regarder ces films-là. Du coup, ça entraîne auprès des créateurs une envie de construire, en tout cas de faire leur cinéma pour que l'extérieur ait accès à un pan de leur culture et accès à une partie de leur histoire qui est peut-être tronquée par des médias ou par le fantasme qu'on peut avoir de l'Afrique racontée il y a à l'époque de la colonisation. Du coup, ça a créé des espèces de commissions ou de fonds qui soutiennent ce cinéma. À la francophonie, par exemple, il y a une vingtaine d'années, il y avait un fonds qui s'appelait Fonds Image Afrique. Non, ça c'était le fonds du ministère des Affaires étrangères français, mais à la francophonie, il y avait Fonds du Sud qui était consacré surtout aux productions de cinéma d'Afrique. C'était une aide qui était allouée aux cinéastes d'Afrique subsaharienne. Bon, il y avait aussi des films du Maghreb, mais en tout cas, il y avait cette aide allouée au cinéma d'Afrique pour que ces films existent, pour que ces films soient produits, pour que ces films soient vus par plusieurs. Ça nous a conforté dans une posture de pour faire mon film, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide pour faire ce film. Je le fais avec une économie relativement faible. Le film existe, il va exister, il va aller dans les festivals, mais en face, il n'y a pas un marché qui existe vraiment. En tout cas, le marché, j'entends par le marché qui n'existe pas, c'est un marché économique qui n'existe pas. Il y a très peu de films d'Afrique francophone qui ont fait leur sortie en salle de cinéma et
qui ont permis en tout cas aux auteurs de pouvoir vivre de leur art. Ça a été un cinéma de festival, en gros, de festival ou de certaines chaînes de télévision un peu thématiques, qui ont une orientation assez particulière sur l'Afrique, bah, des chaînes comme TV5, des chaînes comme Canal+, ou A+, tout récemment, qui sont devenus des distributeurs de ces cinémas, mais aussi des producteurs de ces cinémas, en produisant justement nos films par ces partenaires qui sont essentiellement du Nord. Le regard, il est pas tranquille, mais il est un peu différent. C'est que celui du Nord qui vous produit votre film, il a besoin que l'histoire que vous allez raconter parle aussi et principalement aux gens du Nord qui sont les premiers à consommer ou à regarder ces chaînes ou du coup ou même à permettre que ces chaînes puissent vivre économiquement. Donc pendant longtemps, je veux dire même jusqu'à aujourd'hui encore, on produit beaucoup des films en Afrique subsaharienne dans l'idée qui peuvent être aidés par des coproductions avec le Nord ou qui peuvent être aidés par des coproductions avec des télévisions européennes et donc vus à l'extérieur. Ces films sont très peu vus en Afrique ou du moins ne sont pas achetés en Afrique, n'ont pas une économie réelle en Afrique. À cela, donc, quand on partit de ce business, on sait que les films africains, les histoires africaines sont privées en Europe. Ben, on en construit, c'est des histoires qui vont faire plaisir à celui qui peut nous donner de l'argent. On arrive à une espèce de réécriture de notre propre réalité, d'une espèce de discrimination sur des histoires qu'on peut se raconter soi-même. Aujourd'hui, quand j'écris un scénario, en tout cas, moi, quand je produisais des propositions de films qui m'étaient amenés à lire, je regardais est-ce qu'il y aura un impact à l'extérieur. Je ne pensais pas au Congolais qui va avoir une histoire qui ressemble à celle de sa grand-mère ou de sa cousine. Je ne pensais pas au Gabonais ou au Sénégalais qui va avoir cette histoire. Pour moi, c'était est-ce que ça va être vendeur à l'extérieur? Du coup, si économiquement on n'a pas cette indépendance-là, notre histoire elle est réécrite, elle est dictée par rapport à une écriture qui est celle du Nord. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à quelque chose qui soit local, qui soit africaine, mais qui dépend aussi d'une économie africaine. Aujourd'hui, si on part sur des productions qui ont en moyenne des budgets d'une centaine de 1 000 ou de 200 ou 300 000 euros, ces films sont faits par des productions du Nord. Par des financements du Nord, désolé parce que je regarde comme dit qu'il me reste bah, là 1 minute. Ces films sont faits par des financements qui sont des financements du Nord et cet argent est dépensé principalement aussi au Nord parce que les techniciens qui viendront dans ces films sont pour la plupart, en tout cas des gros postes, vont être des techniciens du Nord et leur cachet ou leur salaire va englober une bonne partie de ces budgets. On va se retrouver avec des films qui peuvent coûter 300 ou 400 000. Mais qui, au moment de la vente, vont se retrouver à être vendus 7 000 ou 20 000 ou même un peu moins à d'autres chaînes de télévision. En remarquant que ce que demande l'argent pour, ce que demande un film pour être produit est conséquent par rapport à ce qu'il rapporte vraiment. Alors que si on part sur des économies qui sont réfléchi au niveau local avec des techniciens, avec des méthodes de fonctionnement, de distribution. Il y a des initiatives qui naissent. J'ai vu Pamela qui tag Jean Fall, effectivement, Jean Fall qui a lancé sa plateforme de diffusion de films africains. Il y a ces mécanismes-là qui existent. Et si ce plusieurs productions, en tout cas plusieurs circuits de distribution, de partage de films existent au niveau du Nord, on peut avoir une économie qui peut être équilibrée. Ça nous demandera peu d'argent pour en produire, mais on pourra avoir plus de films et une plus grande possibilité de les vendre à des prix qui peuvent nous permettre de rentrer justement dans nos budgets. Voilà, 10 minutes, c'est très court. Je suis en train de courir sur ce que je vous dis. Mais voilà, moi, je pense vraiment aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse en Afrique francophone subsaharienne à comment, à partir des films, que ce ne soit plus des films du festival, que ce ne soit plus des films où on défend forcément une culture, parce que ça, de toute façon, on les défendra, nos histoires défendent cette culture. Mais il faut qu'on arrive à réfléchir aussi à comment cette culture-là peut rapporter de l'économie, peut rapporter de l'argent aux créateurs. Et pour que ça rapporte de l'argent aux créateurs, il faut que les moyens et les modes de fonctionnement, les modes de production soient aussi des modes de production locaux. Je ne parle pas de l'État, des États, parce qu'il y a certains pays qui ont compris, qui essaient de mettre des fonds de financement sur place. Mais là où ces fonds de financement n'existent pas, c'est aux entrepreneurs, c'est aux hommes d'affaires, c'est à toutes les personnes qui peuvent
accompagner, je ne parle pas d'aide, mais je parle vraiment des plans économiques qui peuvent se mettre en place avec des créateurs pour que sur un film, que l'on sache, ben voilà, si je vous ai mis 10 000 euros par exemple, il faudrait qu'en face, vous soyez capable de me dire que vous pouvez m'en rapporter 15 000, vous pouvez m'en rapporter 20 000. Et on arrivera vraiment à une indépendance culturelle, à une indépendance de production et à une indépendance économique. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes à gratter ou si je suis arrivé à la fin de mon intervention. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont quelques questions. Ah d'accord, oui, bah c'est fini. D'accord. Je vous dis un grand merci. Donc, un grand merci au Tropic Summit, au Tropic Business Summit de m'avoir donné cette opportunité de prendre ces quelques minutes pour vous parler de cette réflexion. Merci à vous. Alors, il y a une question dans les commentaires. Je ne trouve pas. Ah oui, d'accord. Une question dans les commentaires. Oui, je pense que bah, l'exemple de Nollywood est un exemple, est un exemple réel. Nollywood est parti. C'est construit par lui-même. C'est un très grand pays où les gens ont commencé par se raconter, déjà par vendre les premiers consommateurs des cinémas hollywoodiens, c'est des Nigérians. Aujourd'hui, je vois, j'arrive à faire quelques projections au Congo, même dans les cadres des festivals ou ailleurs, le public africain, il est demandeur de ces cinémas, il est demandeur de nos histoires. On arrivera vraiment à trouver une économie réelle à intéresser ces publics si on leur raconte des histoires qui leur ressemblent. Si on fait des copies pâles des films hollywoodiens, c'est clair que la personne préférera aller regarder un Matrix qui est super bien fait avec des meilleurs moyens que la version de Flic à Beverly qu'un Congolais essaiera de faire. Mais une histoire qui est racontée à Douala ou une histoire qui est racontée à Tombouctou qui emprunt vraiment de cette belle réalité africaine, cette belle réalité malienne ou camerounaise, celle-là me parlera et celle-là, c'est sûr qu'elle va déplacer des masses et c'est sûr que les gens iront regarder. Après, on ne va pas imaginer faire des billets à 5 000 ou à 3 000 pour des populations qui ont une économie déjà assez faible, mais on peut faire des films avec des moyens de distribution qui peuvent être réinventés aussi en fonction des réalités locales et on arrivera vraiment à installer notre économie. Si on installe notre économie, on appellera aussi les investisseurs, ils sauront que nous avons aussi une base économique importante. C'était pour répondre à la question de Dany.